a stoppé l'attaque adverse. La passe dans la profondeur. Oh, il y a danger. Il est passé. Carrément. Le but. Oh, que c'est bien joué. Et l'ouverture du score pour le FC Barcelone. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Thiago. Et il cède sous la pression. Paredes avec Roberto Firmino. Il s'impose physiquement dans ce duel. La bonne passe. Suso. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit coup d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Bien sûr, ça fait toujours de spectacle au cours des 45 prochaines minutes. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué. Le match vient tout juste de reprendre. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Suso. C'est joué dans l'espace. Le bon dribble. Sterling. Bien joué ça. Et il redonne derrière. Pas le choix avec cette défense. Pjanic. Oh, voici Philippe Coutinho. Il y a peut-être un coup à jouer. Cristiano Ronaldo. Philippe Coutinho, il a de l'espace. Il choisit de centrer. Il tente de se dégager. Pjanic. C'est bien fait ça. Prend sa chance. Il joue en retrait. Il est marqué de près. Thiago, la relance côté droit. Il a pris tout le monde de vitesse. Oh, l'occasion. Oh oui. Ils égalisent alors que ça semblait vraiment mal engagé. Et oui, il n'y a pas que le kick and rush dans la vie. En enchaînant quelques passes, on peut aussi faire des dégâts. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Ce ballon bien dosé. Matip. Oh, voici Hazard. Bien servi. Carrément. Un peu d'oxygène pour sa défense. L'arbitre signale une faute. Le voilà averti. Il n'y a pas grand chose à redire. Gardien dégage, loin.
Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ah, oh, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'y arrive pas. Il écarte, ça joue long. Il reçoit le ballon. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Hazard. Roberto Firmino. Un ballon intéressant. Caramo. Ça va être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. L'ouverture lumineuse. Le ballon piqué sur le côté. Thiago. Oh, le bon ballon. La frappe. Superbe arrêt effectué par Ederson. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Et personne n'aura pris l'avantage aujourd'hui. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, on était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet, je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité. Merci. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Et c'est donc parti. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous? Je verrai bien Antonio Candreva. C'est rare de voir un milieu de terrain autant attiré par le but. C'est un joueur vraiment très complet. Oui, on est Roberto Firmino. Et le cadre se dérobe largement. Oh que c'est dur, c'était une occasion en or. C'est joué long. Il décide d'allonger le jeu. Oh, le petit ballon piqué. La touche à venir. Kimpembe. C'est joué long, attention. Le bon ballon. Quel jaillissement! Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, il peut frapper. Ce sera le premier coup du match. Elle ne résiste pas au contact. Robertson. Bien, la profondeur. Ça ne passe pas. Ziyech. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. La passe en profondeur pour Ziyech. Il est à distance de tir. Candreva. Le drapeau s'est levé hors jeu. Souzo, ça joue long. Attention, la frappe! L'ouverture était lumineuse. Dommage. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. Écarte, ça joue long. Candreva, il est bien placé. Le centre est parti. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin.
passe solide, il récupère le ballon. Avec Correa. Oh, l'inspiration! C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Robertson. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période.